Nouvelle session d'information sur DRTV. Mesdames, Messieurs, je suis ravie d'être chez vous. Voici les titres de cette édition. L'affaire ministère public contre le capitaine Oumuanga sera jugée au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Cependant, à Brazzaville, le procès des élèves du lycée 5 février 1979 s'est poursuivi par l'audition des témoins. Et puis, les jeunes des 12 départements du Congo et de la diaspora vont durant 4 jours donner le meilleur d'eux-mêmes pour proposer au chef de l'État les avis de la jeunesse à la faveur de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse ouverte ce mardi. Enfin, le chef de l'État qui séjourne en Pointe-Noire a inauguré le siège départemental de l'ARPCE, le data center et le câble sous-marin. Merci de nous rejoindre sur DRTV. Focus sur quelques grandes artères de Brazzaville qui, de l'observation générale, ressembleraient au tonneau de Danaïde selon la mythologie grecque. En effet, on signale encore de réelles difficultés de circulation sur ces routes qui viennent d'être réhabilitées par les services de la mairie de Brazzaville. Voici le constat de Christy Matsona et Rocklé Baki. Dans les rues de Brazzaville, les chauffeurs peinent à circuler. Il y a peu, les autorités municipales ont lancé les travaux d'aménagement, mais dans presque toutes les artères, le tableau n'a pas changé. Ni de poule par-ci et par-là, dégradation de la chaussée, les usagers de la route sont aux abois. Vraiment, regardez, il y a le feu rouge. Donc nous, quand on rentre là, on se bourbe n'importe comment là. Donc il faut bien ranger la place en question. Voyez là-bas. Vraiment, ce n'est pas bon en tout cas. Il faut arranger ni la place là. Avec le feu, vraiment, ça ne va pas chez nous, les chauffeurs. Ces moyens de transport payent aussi les taxes. Bon, en payant les taxes, nos véhicules aussi doivent être en bon état. Comment les véhicules doivent être en bon état, des fois aussi, les conditions de la route y font partie. Hein? Les goudrons sont désenclavés, il y a plein de marre d'eau et puis ça nous crée des problèmes. Des fois chez les patrons, à peine acheté le véhicule, ça tombe en panne. Ce sont ces marre d'eau-là. Sur la route Château-d'Okinsundi et Bifouiti-Pont-Dudjoué, la cordonnerie routière, comme le disent les populations, a été bien faite ici. À défaut des dalettes, les ouvriers ont asphalté quelques nids de poules. Mais les plus petits ont été laissés. Conséquence, en espace d'un mois, ensemble répartir à la case départ. Les goudrons sont mal faits. Les goudrons sont mal faits. Des fois, ceux qui viennent arranger ces goudrons-là par manque de suivi, des fois, 2 ans, 3 ans après, c'est les mêmes histoires qui se répètent. Donc, nous voulons que l'État puisse faire face à cela, qu'il y ait vraiment des suivis concernant ces travaux. Et sur le tronçon à Nac, Blanche Gomez, le tout venant placé ici n'a duré que quelques semaines. 3 pluies ont suffi pour tout dévaster, comme le montrent ces images. À Brazzaville, les populations lancent un SOS aux autorités compétentes de prendre des mesures plus durables en matière de route. La grève des agents municipaux déclenchée à Brazzaville le 6 juin 2023 est suspendue. L'annonce a été faite par l'intersyndicale de la mairie. Les négociations entre les différentes parties ont repris depuis quelques jours. L'une de nos équipes a fait le constat ce mercredi. Regardez. À la mairie centrale où nous sommes descendus, les travailleurs étaient bel et bien à leur poste, vaquant paisiblement à leurs occupations professionnelles. Tout se passe bien malgré l'hostilité de quelques-uns à notre caméra. L'information, l'intersyndicale a suspendu la grève des agents municipaux déclenchée le 6 juin 2023. Conformément donc à la loi, lorsque les négociations reprennent, automatiquement, il faut aller vers la suspension de la grève. Il ne s'agit pas de la levée de la grève, ça c'est la compétence de l'Assemblée générale. Mais il s'agit de la suspension pour donner une place de choix. Une chance aux négociations. Les négociations entre l'intersyndicat de la mairie de Brazzaville et l'autorité municipale, suspendues le 17 mai 2023, ont d'ailleurs déjà repris depuis le 21 février dernier. Bon, aujourd'hui,
Le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, a réouvert les négociations avec l'intersyndicale sur les points n'ayant pas fait l'objet de préalable. Donc ces négociations sont ouvertes. Nous espérons que pour l'examen de ces points, les travailleurs puissent bénéficier de ce qu'ils ont réellement demandé. Des négociations qui ont repris sont toutefois les trois points qui avaient été inscrits dans les préalables, à savoir le paiement des arriérés de 2017, l'apurement du paiement des pensions de retraite dans la différence de salaire et le remboursement des retards opérés au profit de AGC. Il vous souviendra que le parquet de Brazzaville a décidé d'engager des poursuites contre le capitaine de police Ariston Stefano Mwanga pour des faits d'outrage à magistrat en vertu des articles 222 alinéa 1er et 226 du Code pénal. En effet, pour garantir l'indépendance des magistrats et surtout l'issue d'un procès équitable et juste, puisque vous l'avez compris, le magistrat victime d'outrage relève du ressort de Brazzaville. L'affaire dite Sarandenge sera jugée au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Ainsi, on a décidé la Cour suprême, la plus haute juridiction du Congo. Affaire à suivre donc. Justin Bambaka. La Cour suprême, lors de l'audience de sa chambre pénale, tenue mardi, a désigné les juridictions compétentes chargées de l'instruction du jugement de 5 affaires mises en délibéré. En dehors de l'affaire ministère public contre le capitaine Omwanga Ariston Stefano, qui sera jugée au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, une affaire connue au sein de l'opinion comme Sarandenge, les 4 autres affaires telles que les affaires ministère public et Bouya Ornella Karine contre Tsangola Noël et ministère public et Kanganzaba Rodrigue contre Obura Mousse seront jugées au tribunal de grande instance de Brazzaville. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, désigne le tribunal de grande instance de Pointe-Noire à l'effet de procéder à l'instruction ou au jugement de l'affaire ministère public contre Omwanga Ariston Stefano. La seconde affaire, ministère public et le centre d'action pour le développement et les ayants droit de Kuka Alfi contre Obura Mousse Clovis. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, désigne le tribunal de grande instance de Brazzaville à l'effet de procéder à l'instruction et éventuellement au jugement de l'affaire ministère public et Kangou Nzaba Rodrigue contre Coup de Roméo. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, désigne le tribunal de grande instance de Brazzaville à l'effet de procéder à l'instruction et éventuellement au jugement de l'affaire ministère public et Kangou Nzaba Rodrigue Vouama Rita Carmelia contre Coup de Luis Valdez. Quatrième affaire, ministère public et Olonive Bouya Ornella contre Tsangolonga Noël Herman. La Cour, après en avoir délibéré, désigne le tribunal de grande instance au Brazzaville pour procéder à l'instruction et éventuellement au jugement de l'affaire. La cinquième et dernière affaire, c'est une affaire nouvelle qui oppose Lubasu Milandou en Stanislas contre le crédit Muprocom. L'affaire est en état d'être jugée. En ce qui concerne l'affaire ministère public contre le capitaine Omwanga Ariston Stefano, susceptible d'être poursuivi pour outrage à magistrat suite aux faits qui ont eu lieu le 8 février dernier au palais de justice de Brazzaville, selon la Cour suprême, le magistrat prétendument outragé était en fonction au tribunal de grande instance de Brazzaville. La haute juridiction nationale a choisi la voie de la sérénité en délocalisant cette affaire pour qu'elle soit jugée au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Après ce reportage de Justin Bambaka et Auguste Bonazebi, nous restons dans le volet judiciaire pour dire que le procès des élèves du lycée technique industriel et commercial 5 février 1979, accusés pour des faits de dégradation du drapeau national congolais, objet d'utilité publique, suivant la procédure de flagrant délit, conformément aux dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. Ce procès, disais-je, s'est poursuivi hier mardi devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance
de Brazzaville. L'acte 3 de ce procès était consacré à l'audition de 7 témoins, à savoir les proviseurs, les directeurs des études et les surveillants généraux qui ont donné leur version des faits à l'effet d'éclairer la cour qui est appelée, vous l'avez compris, à lire et à dire le droit. Auguste Bounazébi, Henri Mavambou. L'unique affaire inscrite à l'ordre du jour venait aujourd'hui pour la poursuite de l'instruction, c'est-à-dire entendre les témoins. Il est 12h21 ce mardi quand s'ouvre l'audience correctionnelle sur l'audition des témoins du procès des élèves du lycée technique commercial et industriel du 5 février 1979, accusés d'avoir vandalisé le drapeau national. À l'appel des témoins, le constat est amer. Aucun témoin n'est présent dans la salle et l'audience est alors suspendue. Ceci dit, nous allons donc appeler à la barre M. Ngoka Itoua Jean-Roger. Onkakala Jean-Bruno. Paris Clair. Et Noni Guilon Dilin. L'audience est suspendue. C'est à 12h38 que reprend l'audience, avec la présence de l'ensemble des témoins, 7 au total, essentiellement constitués du staff de l'administration de cette école, proviseurs, directeurs des études et surveillants généraux. Le premier à passer devant la barre pour dire sa part de vérité, c'est Ngoka Itoua, proviseur du lycée technique commercial. À la question, qui a descendu le drapeau national pour le remplacer par le tissu bleu, Ngoka Itoua répond qu'il ne sait pas, car lors des faits, lui se trouvait dans son bureau. Cet événement n'a pas pu durer plus de 20 minutes. Je crois que le maximum peut être 20 à 25 minutes autour de là. Parce qu'au moment où, dans le bureau, on a entendu des clameurs, des cris, les mouvements des élèves, on a cherché à comprendre. Nous étions en train de... J'étais en entretien. J'avais dans mon bureau, il y avait moi-même, il y avait le DEA. Mais moi, je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit sur le moment où le drapeau national était menacé, le moment où il est descendu, et que l'étoffe qui est censée l'avoir remplacée ou pas était élevée. Mais tout ce que je sais, c'est que je me souviens de mon bureau avoir reçu un élève qui m'a dit « Monsieur le proviseur, où est-ce qu'on met le drapeau ?» Le témoin a tout de même confirmé avoir eu vent de l'élève Chadrak de la survenue, je cite, « de l'invasion de l'école par des éléments étrangers ». Comme précaution, il aurait sensibilisé les services de police. Tour à tour, les témoins se sont succédés à la barre et tous ont dit ne pas avoir vu la personne qui a descendu le drapeau. La prochaine audience est prévue pour le jeudi 8 mars. C'est une cérémonie de levée de couleur. C'est à l'initiative. Je vous propose à présent de suivre Maître Harry Souessoué, avocat de la partie civile, au micro d'Auguste Bounazébi. J'ai un sentiment de satisfaction parce que finalement, on se rend compte que même les autorités administratives, notamment les deux proviseurs des deux lycées, les deux directeurs d'études, y compris les surveillants généraux, ne sont pas venus. Personne n'a cité le nom d'un élève, sinon peut-être un. Et donc on se dit que même eux, ils n'ont pas la maîtrise. Vous avez suivi, lorsqu'on a posé la question de savoir comment vous avez fait pour identifier ces élèves, le proviseur du lycée technique commercial a dit qu'ils sont passés par certains élèves qui ont fourni une liste de 7 personnes. Mais finalement, nous n'avons pas 7 personnes ici, nous en avons 17. Et donc, c'est les 7 personnes, le nom des 7 personnes qui ont été donc fournies au niveau de la direction, et la direction, à son tour, a mis à la disposition de la police cette liste. Et c'est sur la base de cette liste que la police a commencé à interpeller les gens. Mais jusqu'à maintenant, je pense que l'instruction est bien menée. L'instruction est bien menée et nous pensons, lorsque nous avons suivi les déclarations des uns et des autres, et d'ailleurs vous avez suivi
il y a 17 prévenus ici, mais de tous ceux qui sont venus ici, qui ont défilé, tous les témoins, ils n'ont presque cité que deux noms. Sur les 17 noms, c'était que deux noms. Ce qui veut dire, certains qui sont là n'ont rien à voir avec cette procédure. Ils n'ont rien à voir avec cette procédure. Je voudrais bien que, si c'était possible, qu'on refasse, comment on peut dire, l'enquête dans cette affaire pour traquer les vrais auteurs. Vous avez vu, il y a deux noms qui reviennent, un certain Gerly et un certain Joël. Mais ils sont où? Ce sont eux les vrais auteurs. Ce sont eux, mais ils ne sont pas là. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons dire. Et nous faisons confiance à la justice congolaise, nous faisons confiance à notre police qui certainement en mèneront devant nous. C'est ceux qui sont qui ont pris la clé d'échange. L'agenda a été respecté. Les travaux de l'Assemblée générale inaugurale du Conseil consultatif de la jeunesse se tiennent depuis ce mercredi matin à Brazzaville sur le thème révélateur « Jeunesse congolaise et insertion socio-économique dans la perspective du développement durable ». Pendant 4 jours, les délégués venus de 12 départements ainsi que de la diaspora vont scruter, on va dire, les problèmes auxquels les jeunes congolais sont confrontés en vue d'émettre des avis au gouvernement. Léonie Tsoumou et Vipion Steve Kenzo. Convoquée par décret du 20 février 2024, cette Assemblée générale inaugurale du Conseil consultatif de la jeunesse va entre autres examiner et adopter les textes qui vont régir cette institution. Pour cette session, il s'agira spécifiquement d'élaborer et adopter le règlement intérieur qui précise les règles de fonctionnement et de discipline des membres de l'Assemblée générale, de concevoir un plan d'urgence de politique nationale de la jeunesse, de produire un rapport final regroupant les défis de la jeunesse et les avis adressés au président de la République sur les actions prioritaires à mener au titre de l'année 2024. Chers amis jeunes, votre mission est aussi celle de prendre votre destin en main, celui d'une jeunesse qui s'inscrit résolument dans la lutte pour la réussite de la vision du président de la République en matière de jeunesse. Mais la réussite de ce programme dépend notamment des jeunes du type nouveau et c'est pour ça, ça passera donc par ces jeunes qui sont imbus de patriotisme et de civisme. Cette cérémonie d'ouverture a été une occasion pour U-Report Congo, une plateforme numérique qui donne la possibilité aux jeunes congolais d'exprimer leurs opinions sur les questions qui concernent la jeunesse, de faire la restitution des résultats du sondage mené sur plusieurs thématiques. Des résultats qui vont certainement aider les participants venus de tous les départements et de la diaspora de faire au gouvernement des propositions, des politiques en faveur des jeunes. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur maire du 3e arrondissement Poto-Poto a souhaité que ces assises apportent une contribution positive dans la résolution des problèmes qui minent la jeunesse congolaise. Le phénomène de l'édélinquance juvénile qui prévaut dans nos différentes villes se présente comme un des problèmes qui nécessite une mobilisation de toutes les composantes sociales, y compris les jeunes eux-mêmes. Ainsi, mon vœu le plus ardent est de voir que les discussions et délibérations qui découleront de cette session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse apporte une contribution positive pour le développement des politiques qui seront mises en œuvre conformément aux défis actuels. Ce grand rendez-vous des jeunes du Congo s'ouvre le 28 février, journée de la jeunesse congolaise et dans un contexte où l'année 2024 est dédiée à la jeunesse. Occasion pour Hugo Ngolondele, ministre en charge de la jeunesse, de l'éducation civique et de l'emploi, de rappeler les axes prioritaires pour la prise en charge de la jeunesse. Le gouvernement, sous l'impulsion de son premier ministre, a procédé à une évaluation des actions prioritaires pour assurer l'accélération de la prise en charge des aspirations de la jeunesse de notre pays. Il s'agit notamment des actions ci-après, l'amélioration et le renforcement du dispositif de formation qualifiante pour le rendre plus massif, pérenne et mieux adapté au marché de l'emploi. L'insertion professionnelle des jeunes
par la dynamisation et le soutien de l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. L'insertion et la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi en vue de l'éradication du phénomène de la délinquance juvénile sur l'ensemble du territoire national. Ces assises prendront fin le 2 mars prochain. Des nouvelles du chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce mercredi à l'inauguration du nouveau siège de l'antenne de l'ARPCE Pointe-Noire et du Data Center. C'était l'acte 2 de son séjour de travail dans le département de Pointe-Noire. Témoin de l'événement, de Montez Mavungui, Héritier Itoi. L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE en abrégé, était à l'honneur ce mercredi 28 février 2024 à travers l'inauguration de son data center de type Tier 3 et de son siège départemental de Pointe-Noire par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Une cérémonie inscrite dans le cadre du séjour de travail à Pointe-Noire du président de la République entamée le mardi 27 février dernier. L'ARPCE accompagne l'inclusion numérique dans le pays tout en promouvant les innovations technologiques. À cette cérémonie inaugurale, l'administrateur maire de Lumumba a, dans son mot d'accueil, remercié le président de la République pour avoir intégré le numérique dans la diversification de l'économie nationale. S'en est suivi la projection vidéo sur le processus menant à la réalisation du data center. Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, a présenté quelques éléments techniques de l'ouvrage. Concernant la construction des édifices dont vous voyez en ce lieu, elles ont duré plus de 24 mois à cause des pluies et du niveau haut de l'eau de la mer. Elles ont coûté, en incluant les constructions, les contrôles, l'acquisition des équipements de haute technologie et le mobilier, la somme de 3,8 milliards pour le data center R+1 et la somme de 4,4 milliards pour le bâtiment R+6, ramenant ainsi le montant total à 8,2 milliards de francs CFA. Notre ville océane, aux amabilités économiques, se voit ainsi ajouter un grain de beauté à inscrire à son patrimoine à travers ses réalisations concrètes qui viennent renforcer les acquis des conquêtes infrastructurelles menées par le chef de l'État ces dernières années. Pour le ministre en charge de l'économie numérique, ces infrastructures traduisent la matérialisation de l'ambition du chef de l'État. Ces trois infrastructures, faut-il le souligner, traduisent bien évidemment la matérialisation d'une ambition d'un grand homme d'État dont le cœur continue de battre pour le développement de notre pays, le Congo. Je cite le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui inscrivit dans la matrice économique de son engagement social, ensemble poursuivant la marche, déclinée à travers le plan national de développement 2022-2026, l'économie numérique parmi les piliers stratégiques de développement. Il est donc compris que le développement de notre pays se repose entre autres sur ces six piliers, dont le cinquième est une colonne qui soutient, comme chacun le sait, la quatrième révolution industrielle, laquelle lègue au monde une autre façon de travailler, de communiquer et de vivre dans une société moderne du savoir. Le ministre et le directeur général de l'ARPCE ont été élevés à titre normal au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais et les autres agents au grade respectif d'officier et de chevalier. Après, place à l'inauguration du data center et du siège départemental de l'ARPCE, c'est par la visite guidée des deux ouvrages par le président de la République que la cérémonie a connu son épilogue. La connexion du câble WAX au câble Tout Africa, l'activation du data center, la visite de ce joyau architectural ont été les principales étapes, vous l'avez compris, de cette cérémonie, résumée ici par nos confrères de la presse présidentielle. L'urgence d'accélérer la transformation numérique s'impose et devant cette évidence, le chef de l'État ne lésine pas sur les moyens. La coupure du ruban symbolique de cette infrastructure stratégique par le président de la République inscrit le Congo dans un nouveau palier, celui de la réduction de la facture numérique
et de l'augmentation de la vitesse de l'Internet. Pour s'imprégner de cette réalité, Denis Sassou Nguesso a visité de fil en aiguille ce bâtiment qui s'impose désormais au centre de la ville océane. Le tout à la grande satisfaction des usagers et autres sachants du numérique. Au-delà de tout ce qui peut être considéré comme aspect politique, mais il faut voir cet investissement, cette infrastructure comme un outil qui va booster l'économie numérique dans notre pays. Et n'oubliez pas que qui dit économie numérique dit souveraineté des données et sécurisation également, des data, mais aussi à réduire les coûts. Donc en ce moment, c'est un outil qui va intéresser toutes les classes dans notre pays, que ce soit des classes inférieures ou les classes supérieures. Ces infrastructures sont en train d'être construites dans le pays pour nous permettre d'avoir la souveraineté numérique, pour nous permettre de soutenir nos start-up dans leur éclosion. L'occasion a permis au président Denis Sassou Nguesso de connecter le câble WAX qui a une capacité de 56 terabits par seconde au nouveau câble Tout Africa qui a une capacité installée de 180 terabits par seconde. Cerise sur le gâteau, Denis Sassou Nguesso, après avoir déballé la plaque du bâtiment qui abrite les installations du Data Center Tier 3, a procédé à son activation, ce qui permettra désormais à la République du Congo de recevoir les grands projets structurants du numérique et garantir son autonomie dans la conservation des données numériques. À en croire les spécialistes, la ville de Pointe-Noire, qui abrite désormais cette infrastructure hautement stratégique, vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Congo qui, dans son plan national de développement 2022-2026, a inscrit l'économie numérique parmi les piliers stratégiques du développement. À Brazzaville, l'ambassadeur de l'Algérie en poste au Congo, Azedine Riach, a remis une lettre d'invitation au président du Sénat de la part de son homologue algérien. La visite officielle de Pierre Ngolo en Algérie s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Suivez. C'est une audience qui fait suite à celle tenue au mois de novembre dernier. Ce tête-à-tête a permis à ces deux personnalités de discuter et examiner la nécessité de renforcer, redynamiser et consolider les relations bilatérales entre les deux grandes institutions du Congo et l'Algérie. Azedine Riach a été également porteur d'une invitation du président du Conseil national algérien au président du Sénat, Pierre Ngolo, afin d'effectuer une visite officielle dans ce pays frère, ce dans l'objectif de rendre plus efficaces les discussions sur l'ensemble des questions parlementaires entre les deux institutions. Le diplomate algérien, au sortir de leur entretien. En réaction à cette volonté, le président du Conseil de la Nation, M. Saleh Goudjid, a partagé cette volonté, cette disponibilité, et a jugé utile d'adresser une invitation à son frère et son ami pour effectuer une visite officielle en Algérie dans l'objectif de poursuivre les discussions sur l'ensemble des questions qui intéressent la coopération parlementaire entre les deux institutions directement, amicalement et fraternellement, mais aussi de discuter sur l'ensemble des questions régionales et internationales qui intéressent les deux institutions et au-delà les deux pays. Il s'est de signaler que cette visite permettra de poursuivre les discussions non seulement sur les questions régionales et internationales, mais aussi de répondre aux aspirations des deux peuples frères, en s'appuyant sur les décisions prises par les hautes autorités des deux pays. On va enfin passer à l'actualité dans le département de la Likouala, marquée par l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental. Découvrons les affaires à l'ordre du jour dans ce commentaire d'Evrard Tikasumba et Gildas Dikobi. Placée sous le thème « La Likouala et les enjeux du développement local », la deuxième session ordinaire budgétaire du Conseil départemental de la Likouala a été ouverte ce mardi 27 février.
Ouvrant les travaux, le président du conseil départemental de la Likwala, Joseph Numazalai Ilunga, a d'entrée de jeu souhaité les vœux le meilleur pour cette année 2024 aux distingués conseillers départementaux et à leurs familles respectives. Pendant les travaux proprement dits de cette deuxième session ordinaire dite budgétaire, Joseph Numazalai Ilunga a évoqué la question des changements climatiques suite aux inondations ayant touché le département de la Likwala. Des inondations qui ont mis à rude épreuve les cultures vivrières, mais surtout qui ont empêché les enfants à se rendre régulièrement à l'école. Le plan va permettre de décrire clairement la vision de tous les problèmes qui se posent au département de la Likwala, à savoir l'éducation, la santé, l'économie, le social, l'agriculture, l'industrie, les routes, l'électricité et bien entendu l'Internet. Le plan va permettre à notre département d'être attractif aux investisseurs. Cette session ordinaire budgétaire va permettre d'analyser les différents comptes et d'autres documents pour aboutir à un budget réaliste pour l'année 2024 afin de permettre au bureau exécutif de disposer d'une armature sûre sur laquelle va s'appuyer son action. Le président du conseil départemental a fait savoir qu'avec l'appui du PNUD, le lancement du processus d'élaboration de l'étude de faisabilité du plan de développement local du département de la Likwala a démarré par le programme accéléré du développement communautaire PADEC. Programme qui avait été lancé sur toute l'étendue du territoire national en décembre 2023. Et ce processus a permis également d'élaborer 12 plans locaux de développement. Et ce qui est important, il a parlé de la mise en place des comités de gestion de développement communautaire. Il va mettre en place dans chaque village quelques groupements qui vont travailler dans l'agriculture et d'autres activités économiques qui vont booster l'économie du département de la Likwala. Cependant, avec le programme des Nations Unies pour le développement, un plan d'initiation a été signé en vue de doter le département de la Likwala d'un plan de développement local. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur DRTV.